Les espoirs de l'ASM ont enchaîné une troisième victoire ce dimanche en dominant Castres 27-26, une victoire acquise dans la douleur. Hervouette encore une fois, il est passé Hervouette, il a peut-être marqué le premier essai, bon retour de l'arrière Bouedjeur, que va dire l'arbitre, les Clermontois qui sont à 5 mètres, gros temps fort là, premier gros temps fort Clermontois dans cette partie, et l'essai voilà, qui est validé pour Tripier, c'est Lanen encore une fois, aucun ballon perdu hein, sur l'alignement Clermontois, attention Sanga qui se fait contrer, c'est la deuxième fois dans ce match que les Clermontois se font contrer au pied, il y a eu Hervouette dès le début de match qui avait entraîné le premier gros danger là sur l'embu Clermontois, on va voir cette fois-ci avec cette nouvelle offensive assez Zanarilli là qui se fait stopper et laisser, voilà, nouvelle faute. C'est pas la première fois qu'ils se mettent à la faute. Et c'est joué vite par Sanga, on va essayer d'emballer un petit peu la côté Clermontois avec Cancorier, qui reste debout, il avance là, le puissant troisième ligne, ce festival de Cancorier va y aller tout seul, énorme essai de jeudi Kael Cancorier, vous l'avez dit tout à l'heure qu'il n'était pas à 100% de toute la puissance qu'il pouvait donner. Ils ont fini par prendre les points, la pénalité a été manquée et cette fois-ci encore une fois c'est propre pour cette combinaison avec le deuxième ligne essai, magnifique. Cancorier en extension qui sert directement une passe volée pour Van Tonner, ça c'est travaillé à l'entraînement, c'est très bien joué. Et le ballon qui est disponible toujours pour Ricciardo. Il y a pas mal, on a consommé pas mal de joueurs là, du côté Tarnais, il va falloir se replacer derrière, on va insister avec les avants sûrement, Aura et l'essai. Essai indique l'arbitre, Monsieur Delisle, et les Tarnais qui sont maintenant dans cette deuxième clairement, mi-temps. C'est eux qui ont pris les rênes du match. Hein. Il reste alors que la SM est revenue à 15, mais voilà, le plaquage raté, c'est passé, ça fait très essai, magnifique là, cet essai, c'est l'ailier Avizou qui marque ce nouvel essai. Ok, il a pourtant pris l'avantage en fin de première mi-temps, le coup de pied est parti. C'est bien parti et ça passe, voilà. Vous l'entendez, le public là qui applaudit derrière nous, Théo de France qui redonne l'avantage au Clermontois à quelques secondes de la fin. 27-26,